Bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier jour du défi vidéo calendrier de l'Avent. Et oui, on est déjà le 24 décembre, ce soir c'est le réveillon de Noël, demain c'est Noël, et donc j'arrêterai les vidéos. Je ferai une petite pause pour me reposer, profiter de la famille, de Noël, etc. Mais je compte bien vous faire encore quelques vidéos avant 2014. J'ai le tag Bye Bye 2013, normalement prévu. Et puis sûrement une autre petite vidéo, mais je verrai si j'ai le temps. Peut-être sûrement un vlog de mon Noël avec Marion et Cassandre, donc Marion de la chaîne Marion Pinky Buttercup. Et donc je voulais revenir sur un petit bilan justement de ce défi. Je suis déjà super fière de moi d'avoir tenu le défi et de vous avoir proposé une vidéo chaque jour que j'ai réussi à mettre en ligne à 1h du matin, à une exception près. Mais voilà, toutes les vidéos, pratiquement, j'ai pu les charger pour que vous les ayez à 1h du matin chaque jour. Et ça, je suis quand même super contente d'avoir réussi à tenir le rythme, parce qu'une vidéo par jour, c'est assez énorme quand même. Voilà, faut prendre le temps quand même de filmer, de faire le minimum de montage et de la mettre en ligne. Et des fois avec YouTube ça prend du temps, les réseaux des fois sont un peu saturés le soir quand je veux charger. Et là je suis plutôt contente d'avoir réussi à faire ça. J'avais une à deux vidéos d'avance, donc pré-filmées bien avant, etc. jusqu'au jour 12 ou 13, quelque chose comme ça. Et puis après bah, j'ai fait au fur et à mesure, tous les jours, une vidéo, et je suis super contente d'avoir réussi à tenir le rythme et d'avoir pu vraiment voilà, faire pratiquer. J'ai fait pratiquement toutes les vidéos que j'avais prévu de faire, à quelques exceptions de près. J'ai des tags qui sont venus se rajouter, d'autres où finalement j'ai préféré bah, les faire, comme la vidéo sur les musiques de Noël, parce que avec tout ce qui se passe en ce moment sur YouTube, même si je la monétisais pas, etc., j'avais peur que par rapport à la musique, il y a des choses qui passent pas, parce que vous parlez de musique sans vous mettre des extraits, je trouvais ça un peu dommage. Sinon, je suis contente que les recettes ont plutôt bien marché, donc si ça vous dit, je vous en ferai d'autres au cours de l'année, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aimerais bien savoir quelle a été votre vidéo favorite du défi calendrier de l'Avent. Sinon, bah, je suis vraiment contente parce que bah, j'ai eu pas mal d'abonnements, moins que ce qu'on m'avait prédit par d'autres personnes. Mais voilà, justement, je suis contente parce que j'ai pas eu l'attroupement qui s'est fait « Ah, il y a un cadeau tous les jours » ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment resté pour mes abonnés et pour vous remercier. Je suis contente d'avoir vraiment pu faire plaisir à pas mal de monde. Voilà, je suis désolée si vous n'avez pas encore gagné. Peut-être que vous gagnerez là. Mais voilà, je peux pas faire un cadeau à chacune d'entre vous. J'ai maintenant bien mon petit groupe de personnes qui me suivent, qui me commentent tous les jours. J'ai vu les fidèles et franchement, je vous remercie de tout cœur parce que vous m'avez bien motivée à continuer. Vous m'avez donné l'envie vraiment de continuer la vidéo et d'essayer de m'améliorer toujours et encore. Donc je vais arrêter de blablater parce que là, je vais être un peu redondante. Et je vais passer au dernier lot. Et comme vous pouvez vous douter, voilà, ce soir c'est Noël, donc Noël, vraiment un joli cadeau. Et qui dit joli cadeau dit Urban Decay. Et le cadeau c'est ça. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore reconnu, il s'agit de la vis 2. Bah pas du tout, pas, parce que t'es pas droite. Tu s'ouvres comme ça. Hop. Et donc voilà, tous les phares. Donc je n'y ai pas touché, hein. J'ai juste ouvert comme ça, j'ai regardé les phares et j'ai refermé. Donc c'est ce que je fais aussi. Donc voilà, vous recevrez donc la palette vis 2 de chez Urban Decay. Je pense que c'est un très joli cadeau pour n'importe qui de toute façon. Donc j'espère vraiment que ça vous fait plaisir. Et alors là, je vais vous passer les conditions de participation. Déjà, la durée du concours, ça ne change pas, c'est toujours jusqu'à demain matin, 8h. Donc jusqu'au 25 décembre, 8h du matin, l'heure à laquelle on ouvre les cadeaux. Cette fois, ça ne sera pas un tirage au sort sur random. Je vais demander à mon chéri de faire un tirage au sort. Donc je préparerai des petits papiers que je mettrai dans un bol. Il tirera le papier au sort, comme ça, voilà, c'est
Il n'y a pas de random où je vais appuyer ou quoi que ce soit. Ce sera vraiment lui qui tirera le papier au sort et je filmerai ça. Donc on verra peut-être que sa main, hein, parce qu'il n'aura pas forcément envie d'être filmé à 8h du matin. C'est sûr. Voilà. Il faut être abonné à ma chaîne à l'heure... maintenant quoi. Ça ne sert à rien, si vous voyez cette vidéo, de vous abonner. Voilà, c'est vraiment pour vous remercier de m'avoir suivi, de vous être abonné si le défi vous a plu. Je suis vraiment désolée si vous tombez par hasard sur cette vidéo, que vous vous abonnez parce que vous aimez bien ma tête ou quoi. Mais voilà, c'est vraiment pour remercier mes abonnés, donc il faut déjà être abonné à ma chaîne. Donc tous les nouveaux abonnements ne seront pas pris en compte. Ensuite, de toute façon, vu que le concours est sur une seule journée, ça devrait limiter les profiteurs. Il faudrait liker la vidéo, vous avez le droit de la partager mais ça je m'en fous à la limite. Il faut être majeur ou avoir l'accord parental. Donc le concours est ouvert seulement à la France et à la Belgique, je suis désolée. Mais là voilà, j'avais vraiment fait tous les lots pour vraiment l'international. Et là vu que c'est vraiment un colis, je me limite parce que ça fait quand même pas mal d'envois que j'ai fait. Donc je suis désolée pour toutes celles qui sont encore plus loin. Et le plus important, laissez un commentaire ci-dessous, un seul par personne, avec la mention je participe, quelle vidéo vous a le plus plu dans le défi calendrier de l'Avent, et que représente Noël pour vous. Voilà, ça fait quand même pas mal de conditions dans le commentaire, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle, donc je compte sur vous. Et j'espère vraiment que le lot vous plaît, que le défi vous a plu et que ça a été un joli calendrier de l'Avent. En tout cas pour moi ça l'a été, tous vos commentaires m'ont vraiment beaucoup touchée et j'étais ravie de partager ça avec vous. Je vous fais vraiment de gros bisous et on se retrouve très vite. Ciao !